Le staff est arrivé hier soir à Clairefontaine. Bon, dans un premier temps, c'était un petit peu de faire connaissance aux uns et aux autres, parce qu'une partie ne se connaissait pas. Ce matin, il y a eu le petit-déj et les joueurs après sont arrivés vers pour 11h. Tout le monde était là. Et puis, petite réunion avant le repas pour les présentations des uns et des autres. La majorité, je les ai connus pendant la Coupe du Monde il y a un an, donc je les retrouve là, et puis les autres, eh ben, je fais leur connaissance, mais ça va très très vite. Le Kazakhstan, première particularité, c'est qu'on va jouer sur un terrain synthétique, donc ça, il faut vite s'y adapter. Ensuite, c'est une équipe qui essaye de jouer au ballon, qui a posé beaucoup de problèmes à l'Islande par exemple, et qui est pas mal sur le plan du jeu actuellement. Donc on va y aller avec beaucoup de respect, beaucoup d'attention, puis envie de faire un bon résultat. Et puis l'Islande, c'est une équipe très, très physique sur les images que j'ai vues, qui joue beaucoup par de longs ballons, en essayant de mettre de l'engagement physique, en essayant d'être très présent dans les duels aériens, très dangereux sur les coups de pied arrêtés. Bon, ça va être un autre football, il va falloir à nouveau s'adapter à notre style de jeu. C'est vrai que là, en deux mois, on joue une partie importante de notre avenir. C'est-à-dire que où on a des matchs très très intéressants avec des objectifs hyper importants, ou alors ce sera des matchs amicaux, et bien sûr c'est autre chose. Donc je crois que tout le monde a envie de faire un résultat, parce que les barrages, c'est pas quelque chose qui nous réussit tellement depuis quelques années. Donc on va être positif et se dire qu'on a quelque chose à faire.